Comment ça va les artistes, mesdames et messieurs? Ce soir, nouvel événement sur IFC 25 Trailblazers. Vous avez compris, vous avez tout de suite compris. Ce soir, c'est du pack opening. On va faire les packs de la boutique, mesdames et messieurs. Mais avant que ça commence, bien évidemment, je vous demande les pouces bleus, ça fait extrêmement plaisir. Et également, nous avons un petit pack opening à faire avant les packs opening IFC 25. Et là, normalement, vous avez déjà compris. Deux box, un bon maillot, mesdames et messieurs. Vous avez tout dans la description. Les codes promo, le lien pour le site. Vous avez absolument tout. N'hésitez pas à aller checker tout ça, mesdames et messieurs. Ça fait extrêmement plaisir. Ce sont des boîtes mystères. Vous avez des maillots dedans de football, tout simplement. Vous avez aussi d'autres catégories. Si jamais il y a des basketteurs ou des rugbyman, ils font aussi rugby et basket, il me semble. Directement le maillot, vous réagissez. Et ensuite, je regarde. Ouh, oh, c'est un col. J'ai un peu du mal avec les cols. Mais si c'est un petit Manchester United, écoute, on va faire un effort. C'est Manchester? Non, c'est pas Manchester. Ok, éclaté, bof, éclaté, bof. Alors, j'aurais pas dit pas ouf, j'aurais dit original. Regarde, il y a des petits cœurs et tout sur le maillot. Genre, pour Marion, ça peut passer, je pense. Genre, je vois ma copine dedans, ça peut être pas mal. Celui-là, je vais l'offrir à Marion. Là, par contre, la qualité, elle est pas mal. Le Ratus. Bah non, mais il faut bien que ça serve à quelque chose. Si ça me plaît pas, autant être honnête. Les gars, c'est pas parce que je suis partenaire avec eux que j'ai pas le droit d'être honnête, hein. Ils le savent, j'ai des goûts et des couleurs, hein, je suis un humain. Hein. Forcément, tu me mets un maillot rouge, ça me plaira forcément un peu moins qu'un maillot bleu. Deuxième maillot, j'espère. Celui-ci, c'est un banger. Ok, déjà, j'ai trouvé le bout. Recto. Verso. Mais dites-moi que ça, c'est un banger. PSG. Non, mais ça marche pas. Ça. C'est jaune, c'est PSG? C'est pas PSG, l'extérieur. Oh! Oh, alors là, par contre, je suis désolé de le dire, mais c'est banger absolu. C'est banger absolu, les gars. Il n'y a pas de logo qui te pète le t-shirt en deux. S'il y avait écrit maillot training. C'est un maillot de training. Ah, donc c'est ça. Ouais, bah c'est celui-là que j'ai ouvert. Bah putain, j'ai eu trop de cul. Parce que ça, il n'y en avait qu'un. Ça, je crois, ils m'ont régalé parce que je crois que c'est le dernier mois. Donc ça, wow, let's go. Ouais, c'est un maillot. Non, non, c'est un maillot training, c'est ça, c'est sûr. Bon, pas mal. Très content en tout cas. Très content de ce magnifique maillot de Dortmund. Et vous m'avez fait trop peur par contre avec le PSG, parce que j'y ai pensé au PSG de Neymar là, le maillot jaune. J'y ai cru au début, hein. Et le maillot, enfin celui qui me dégoûte franchement c'est celui de Mallorca. Depuis tout à l'heure je me retourne, je vois celui de Mallorca qu'on a ouvert tout à l'heure là. Je peux vous le montrer pour ceux qui n'étaient pas là. Et en vrai de vrai, vous en pensez quoi vous là, ceux qui sont là? C'est vrai que le sponsor il nique tout, hein. Parce que le logo il est en full doré. Le logo vraiment il est trop stylé. Celui-là mon papa il va pas être content, mais alors franchement celui-là je crois que c'est une masterclass, hein. Celui de Porto les mecs, et moi comment il est magnifique celui-là, hein. Ça c'est pour ceux qui n'ont pas la motif d'aller voir la vidéo de Pokémon sur la chaîne principale, au moins vous verrez les deux maillots qu'on a eu dessus. Ah celui-là il est beau, celui de Porto franchement il est magnifique. Porto Dortmund, c'est les deux pépites de la journée, je suis très content. Et maintenant, il faut plus qu'avoir des cartes. Si on a des bonnes cartes sur IMC 25 mon petit. Et donc normalement là c'est un nouvel event, c'est Trailblazers les gars. Donc nouvelles cartes, nouvelles animations. J'ai trop envie d'avoir l'anime, c'est tout ce que je veux. Les cartes je m'en fous, j'ai déjà mon équipe pour ce week-end. Mais au moins voir l'animation, j'ai envie de voir. Parce qu'elles sont tellement belles. Joueur concept. Trailblazer. Alors attends. On commence déjà avec le bas. Tout le bas c'est à chier. Voilà au moins. Ok on le sait. Ça c'est ce qu'on va sûrement avoir. Il y a beaucoup de 84. Donc je pense que le taux de drop, il y a moyen que ça tombe. Et alors là. Ouh, wow. Ah ouais c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit frérot. Rafinha. Marcos Llorente. Stanway. Hemp. Palmer. Bastoni. Gabriel. Gvara. Antana Bonmati avec le playstyle enroulé. Je la veux, je la veux, je la veux. Avec le playstyle enroulé. Mais attends, vous êtes folie. MC, MOC, playstyle passeport. Oh, il me la faut. Oh, Rafinha, mon amour. En plus, Rafinha peut faire du lien à... Mais Rafinha, c'est pas un SBC d'ailleurs. Ouais, c'est un SBC. Putain, Rafinha, SBC, la vache. Début d'année. C'est pas le meilleur playstyle qu'il aurait pu lui mettre. Un petit enroulé ou quoi, ça aurait été mieux. 84, 85, 85, 85, 85, 85. En vrai, les 85, ça se fait facile. Mais c'est à partir de là où c'est un peu plus chiant. Ça tombe pas. Les 86, elles tombent, mais les 87, ça ne tombe pas. Ça tombe jamais. Et alors là, du coup, si je fais Rafinha, bah derrière, il faut aussi que je fasse Yamal, quoi. Il n'y a pas le choix. Il finit dans 6 jours. On va le mettre en favori pour le moment. On va le garder ici. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ok, petit pack à 500, là. Allez, ça part. C'est la saison. Hub, c'est quoi, ça? C'est la matière? Ouais, j'en sais rien, les gars. Bah non, une vraie, Loris. Non, non, une vraie. Une vraie, une vraie, une vraie. Douglas Louise. Et pour le moment, ça fait pas rêver, les gars. Oh! 10 doublons!
Les PS, c'est de l'XP. Bah oui, c'est ce que j'étais en train de dire. T'as de l'XP dans des packs, c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Donc là, en fait, t'as même plus besoin de jouer au jeu, au final. Si tu mets de l'oseille, si tu mets de l'XP dans les packs, tu prends les packs avec de l'XP, puis c'est bon, tu montes au palier max sans faire des... C'est n'importe quoi, c'est nul. Akanji, ok. Ça coûte plus rien, de toute façon, ces joueurs, là, les gars, c'est fini, ça. Donc, c'est pour ça, en vrai, j'ai même pas envie de faire Future Champions, les gars, cette semaine. Ce week-end. Les packs, oui, on les fait, parce que, tu vois, c'est... Oh, yes, 12 Blazers. C'est le petit rituel du vendredi, mais... Vraiment, l'event, il me chauffe pas plus que ça. Tu vois, maintenant que j'ai vu l'anime, c'est bon. J'ai eu ce que je voulais. Franchement, l'anime est belle. Hein. C'est vrai que l'animation est belle. Hein. Alex Bandero. On prend. Antana coûte 5 millions. Vache. En même temps, normal, les gars. Eh, ça tombe. Pack à 1000 vendables. Combien de pourcents là-dedans? 3%? Putain, 10 balles, 3%? Non, merci. Non, merci. On va faire cela. Les noms échangeables. Let's go une full art sur FC25. Je suis mort. Le mec, il confond absolument tout. La carte, elle déchire, par contre. Là, c'est vrai que les cartes, elles déchirent, les gars. C'est ça, à ce niveau-là, on peut pas leur reprocher. Ouh. Ok, petit Donnarumma 89. Là, quand je vous disais c'était compliqué de faire tomber des trucs 87, bah ça, c'est parfait. Nickel. Ça, c'est pas bien, ça. Allez, je me l'autorise. C'est la fin de semaine. J'ai bien travaillé aujourd'hui. Vas-y, je me l'autorise. Animation, encore. BU. Ouh, Reten. Ah non, la meuf de Lyon encore, 89, donc bien. Ça, c'est pas mal, ça, les gars. Et si je chope des très grosses cartes, il y a moyen que je me le fasse, mon petit Rafinha, les gars. En fait, je fais Rafinha si je peux faire Rafinha et Yamal. Je ferai pas l'un sans l'autre. Comme ça, au moins, si j'ai les deux niveau collectif, tu vois, je suis pas embêté. Je mets les deux et c'est réglé. Là, ça bien, là. Ça envoie, là, regarde, encore. Hein. Encore un inanime. Ah, c'est un petit Unai. Un petit Unai Simon. C'est pas folichon, ça. Il faut la double. 2,86 et c'est bien. Ah oui, t'es fait recadrer, ça c'est parfait. Ah, ça c'est pas beau ça. Et 600 000 pesos. Là, on a des petits packs sympas là. À 500 là. Allez, vamos. Avec. Oh! C'est quoi, c'est garanti? Ok. Colombien, première ligue. L'animation est belle. C'est vrai que l'animation est très belle. Power shot. Ouh, le petit Duran. Oh, oh, c'est rigolo. Putain, quand j'étais petit, les gars, dans mon club. Il y a un mec qui s'appelait Duran. Il avait une frappe du pied gauche. C'était un Turc. Les gars, il avait une frappe du... En gros, pour vous dire à quel point le mec était chaud, il avait vraiment une grosse frappe pour son âge. Il tentait des coups francs du milieu de terrain. Et ça rentrait parfois. Genre, il y avait un coup franc du milieu de terrain, on était en mode putain, Duran, viens. Genre, il avait une frappe, c'était de la science-fiction. Purée, merci pour les souvenirs, IFC25. Juste pour ça, c'est gentil. Duran, la vache. C'était quand j'étais jeune. C'était quand j'étais jeune. Fut un temps. À part les packs opening, t'en penses quoi de FC25? Moi, j'aime bien, les gars. Carrière, on s'éclate. Attends, c'était combien de pourcents, du coup? C'était pas garanti? Eh ouais, 3%, les gars. 3%, j'en ai déjà eu 2. Putain, magnifique, on se régale. Titanime? Dommage. Le prêt vendable. Tu la vends rapide, le prêt. Bah oui, mais c'est un prêt... C'était quoi? Quoi? Pourquoi t'as vente rapide? Mais c'était genre une carte en prêt, non? Bah oui, c'est un prêt! Bah ouais, putain, mais fait trop peur! Vous faites des trucs comme ça, vous êtes cons, quoi! Mais c'est. Oui, non, mais c'est vendable, parce que les gars, putain, vous connaissez rien au jeu, c'est IFC, les gars! Vendredi sans bug, vous êtes sérieux? C'est un prêt, je peux pas le vendre! Hein? Bah oui, voilà, c'est un prêt, je peux pas le prendre. Les gars, EA Sports, on a un monster again. Les gars, vous croyez qu'on est sur quel jeu, là? Concentrez-vous, s'il vous plaît. Comment ça fait de la peine pour lui? Mais jamais de la vie, je l'ai vendu, j'ai vendu le prêt. J'y ai pas vendu mon Duran, quand même. J'ai vendu Duran? Non, mais attends, bah là, je veux un remboursement de la part d'IA. Bah là, je veux un remboursement de la part d'IA, ils se foutent de moi, quoi. Animation! Goal? Ah, l'autotruche, salopard, va. Martinez. Pour toi, FC25 vaut le coup ou pas par rapport au FC25, au FC24? Ça dépend pourquoi.
Moi, pour moi, quand j'étais petit, je jouais pas à FUT. Et la seule chose de pourquoi j'achetais l'édition suivante en passe mytho, c'était pour avoir les nouveaux joueurs, les nouveaux maillots, les nouvelles équipes. Moi, c'est le seul truc qui m'intéressait quand j'étais jeune. Donc, je sais pas, ça dépend de ce que t'en fais, frérot. Si tu trouves encore ton bonheur sur le 24, franchement, garde le 24, tu t'en fous du 25. Oh, Dybala ? Dybala ? Merci les gars pour les cœurs à Marion, c'est gentil. Je lui montrerai le chat. Je lui montrerai la rediff. On peut jouer FC25 sur Kidizoom. Alors, je ne sais même pas ce que c'est Kidizoom, frérot, je suis désolé. Deux petits Dybala, ok. Avec Matteo et... Ok, 85. Pack Jumbo à 2000. Vendable. Pas d'anime. Ceux-là, je pense, je les fais pas, les gars. Ça, c'est des packs attrape-pigeons. Va voir Duran dans ton club, tu l'as. Écris Turam dans ton club. Vas-y, mais je regarderai après, les gars. Je regarderai avec l'application. Avec l'application, c'est plus simple. Ouh, Chiesa, mesdames et messieurs. Ça, c'est pas mal. 60 000. Pas mal. Hop là. En fait, en ce moment, j'ai l'impression qu'ils mettent pas les trucs... Ils les mettent les samedis, les packs. On tente une dernière... Une dernière esprit pionnier. Enfin, Trailblazer, pardon. C'est Lionel. C'est Lionel, rien que pour ça, je regrette pas, putain, oui. Le GOAT avec vous. Magnifique, mon petit Lionel. Est-ce que ça me le met en doublon? Vu qu'à mon premier Lionel, je lui ai mis le petit logo légende du club. Et ça me le met pas en doublon. Avec un D-Boost et Arujo. Ça, c'est bien. Oh, ça, c'est très, très bien. Parce que du coup, si je décide de faire une première une Liga avec les nouveaux SBC, là, Arujo. Oh oui, oui, oui. Ceux-là, ils payent, on continue. Là, on continue. Ceux-là, on les continue, mon petit. On va aller au fond. Hein. Allez, Adim. 20 balles. 20 balles. Là, ça fait mal. 20 balles. J'ose même pas regarder. Diogo Costa. S'il y a un Mendy derrière, ça me bat. Sinon, ça fait mal. Oh, j'y ai pris une climatisation. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Allez, j'en fais 4. On fait les 4 derniers. On assassine les points UT. Et ça va quand même, on aurait eu 2 esprits pionniers aujourd'hui. Hein. Purée, j'ai eu du cul. Hein. Dommage que ce soit pas des ouf. 20 balles dans le vent. Non, pas 20 balles dans le vent. Au moins, vous avez eu votre petite dose. Et ça, ça fait plaisir. Isaac 85. Tu vas avoir la grippe à la fin. Tranquille, les gars. C'est le vendredi, on se fait plaisir. Non, et puis là, franchement, aujourd'hui, j'ai eu une bête de journée. Donc, vas-y. On donne tout. On donne tout pour la commu. C'est bon, ça envoie. Bigs Bay. Ouais, voilà. On donne tout, mais à la limite, j'aurais dû les garder et les faire demain. Il en manque 2. Ok, petit boost. Ok, ça va, on finit avec un petit boost, c'est cool. AG, ah c'est Shawinga. Je l'ai déjà eu, je crois. Elle a une carte de fou en plus, elle, je crois. Shawinga. Ouais. J'aurais préféré le petit Wansbers, mais bon, on prend quand même. Dernier pack, mesdames et messieurs. Cut la tub. Bon bah écoutez, on aura quand même eu notre première Trailblazers, mais... Franchement, là on a fait quoi? J'ai fait quasiment 150 euros de pack, hein, quasiment. Il y avait 17 000 points FIFA. Eh ben, je me suis bien fait avoir. Franchement. Du Chiesa et des petites notes. À demain. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vos proches. Des bisous, mes gouttes.